Et maintenant, nous allons tamiser les lumières. Et se susurrer des mots doux à l'oreille, Karine. On revient en arrière. Nous sommes en 1986. Et à l'époque, nous voyons débarquer une jeune femme sublime, mannequin entre autres pour Chantal Thomas et pour Thierry Mugler. Ce soir, on allume les bougies, on se pâme. Mmh. Nous accueillons l'inoubliable Victor Laszlo qui revient chanter spécialement pour nous son mythique Canoë Rose. Victor Laszlo. C'était pas l'année dernière, c'était pas Marianne Vade. Comment voulez-vous que je me rappelle? Je ne savais plus qui l'attendait. Le temps est un traître de cap et d'épée qui vous glisse sa poudre d'oubli dans votre coca. Faudrait pouvoir choisir son film. Je n'avais plus qu'à me barricader dans la petite maison près du lac. Avec le canoë rose qui flotterait comme ça pour personne. Et ne plus changer l'eau des fleurs, oublier qui tu étais, ne plus jamais avoir peur, se dire qu'on n'était pas vraiment fait pour le rôle, pleurer plus que le saule, plonger sous les draps et ne plus jamais sur le pont du galion qui s'est laissé couler parce qu'il t'a connu une de plus à t'aimer. Le soleil essaie de se glisser par les stores vénitiens. C'est pas lui qui me fera lever. J'ai commencé une longue nuit et j'ai pas l'intention de demander le réveil. Je regarde les photos qu'il a prises de moi. J'en ai aucune de lui. Il s'est jamais laissé prendre. Et le vent fait grincer le canoë rose, à deux places. Il servira peut-être pour un autre film. Fermez les volets et ne plus changer l'eau des fleurs. Merci beaucoup Victor Laszlo, merci d'être venu nous envoûter à nouveau. Merci.